Salut les amis et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne de l'information préférée Réveil d'Afrique. Il ne faut surtout pas lui parler des retraites politiques. Alpha Condé compte reconquérir le pouvoir en Guinée et pour y parvenir et surtout se venger des stéphoutistes qui ont écouté son troisième mandat, le professeur a récemment lancé un appel à la mobilisation aux militants de son parti, le RPG. Restez mobilisés, faites-moi remonter les numéros de téléphone de tous les présidents de la jeunesse et les présidents des femmes, déclarait-il récemment lors d'une interview accordée à un média africain. Alors, Alpha Condé compte ainsi séduire les militants de ses adversaires politiques, à l'instar de celui d'Alain Diallo. Son parti politique a en effet tissé des alliances avec la formation politique de l'ex-premier ministre, mais aussi avec l'UFR de Sidya Touré et le Fonds national pour la défense de la Constitution. Selon Mougouma Cissé, le journaliste qui a réalisé l'entretien, l'ancien président est déterminé. Je l'ai trouvé dans un très bon état d'esprit. Je me disais qu'il avait été tellement assommé par le coup d'État qu'il serait encore en train de réunir cette humiliation. Alors qu'il l'a subi, mais il est dans un bon état d'esprit et c'est quelqu'un qui veut prendre sa revanche sur les militaires qui ont écouté son mandat, a-t-il confié à la radio allemande Deutsche Welle. Eh bien, les amis, c'est ici que prend fin ce petit bulletin d'information. Restez abonnés à la chaîne Pataï si vous la trouvez intéressante. À très bientôt.